dans une nouvelle vidéo de la chaîne Bib et Mystère. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais déguster avec vous un grand classique que beaucoup connaissent. Je vous cache le truc parce que c'est pas super top. Le Saint-Claude classique. Et je vais le déguster dans ma première, enfin une de mes trois premières pipes, la Butz Jochen Gentleman Rock. Alors comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, celle-ci c'est celle que j'ai depuis 20 ans, qu'on m'avait acheté, on m'avait acheté trois d'un coup. Pour éviter de trop l'abîmer, parce que j'ai beaucoup d'affect dans ces pipes qui commencent, mine de rien, à être un peu terne à force de la manipulation. Elle a perdu tout le cirage, mais je la laisse comme elle est. J'ai pas vraiment envie de les abîmer, parce qu'il y a beaucoup de souvenirs attachés à cette pipe. J'ai retrouvé petit à petit les modèles, et j'essaye de retrouver les modèles similaires. Comme par exemple ici, j'ai retrouvé une autre petite Jochen Gentleman Rock. Elle a d'autres motifs. Ici, elle a des petits sablages en forme de zigzag, alors qu'ici, elle a des sablages en forme de rond au cercle. C'est mignon. Je voulais quand même la fumer une fois. Comme je vous disais, la dernière fois, ça fait partie. Je vous dirai, ce sera la dernière fois que je vous le dis. Ça fait partie des trois premières pipes que j'ai vues. Moi, elle s'était offerte le même jour pour mon anniversaire. Lorsque je voulais débuter le tabac. Donc on a deux pipes Piazzolla, ici et ici. Je l'avais déjà présenté. Et la Butz Jochen Gentleman Rock. Et comme je vous l'ai dit, c'est avec ça que j'ai débuté. C'est ces trois pipes-là que j'ai fumé pendant 20 ans. Avant de petit à petit. Je vais remettre le crochet. Voilà. D'agrandir ma collection de pipes neuves ou d'estate. Mais ces trois pipes en particulier, je les fume très peu. De moins en moins. Dû au fait que j'ai beaucoup d'affect dessus et j'ai pas envie vraiment de les abîmer, de les casser. Donc je m'accorde de les fumer une fois par an quand même. Est-ce que c'est utile de présenter ce tabac? Je vous cache le logo, mais bon, vous êtes habitué. Je pose ma petite pipe dans le présentoir et dans le socle que j'ai fabriqué. Je sais pas si j'ai fait une vidéo dessus, mais je sais pas à l'heure actuelle si vous le verrez avant ou après cette vidéo. Donc, ouvrir la blague. C'est pas comme les deux tabacs que j'ai fumé dernièrement, le Stanley et le Frérot, qui n'avaient aucun goût, aucune odeur. Là, on sent quand même l'odeur. Et je vais essayer de voir si sur Tobacco Review j'ai un Saint-Claude. Comme ça on va voir la description. Je découvre en même temps que vous parce que je n'ai pas cherché. C'est un tabac que je connais quand même, le Saint-Claude. Il y en a deux. Alors, il y en a deux. Attendez, je vais lancer enregistrement, ce que je n'ai pas prévu. Je pensais que je n'allais pas le trouver sur Tobacco Review. Est-ce que c'est lequel là? Ça semble être celui-là. Ou bien il y a
là, Jacob Saint-Claude. Non, c'est pas celui-là, c'est le premier. D'ailleurs, je découvre aussi que Jacob fait du Saint-Claude, du tabac. Alors, il n'a pas un avis très très positif. Alors, je vais traduire en français, pardon. Marque, groupe Impérial Tobacco PLC, type de mélange à base de feuilles de cigare. Oui, c'est ce qu'on m'avait dit. Et on le sent quand même. Contenu du beurlé, feuilles de cigare et du Virginie. Arôme, rien, coupe, ruban. En effet, c'est le petit ruban. Sachet de 40 grammes, pays France. Produit actuellement disponible. Force. Il est moyennement fort. Sur 10 votes, il a 41%. Arôme. Aucun détecté. Ouais. Ouh. Ils disent moyen. Note sur la chambre. Agréable à tolérable. 7. 6. Ouais, il a quand même un avis. Alors, c'est sur 5, je pense. 2,5. Sur 5. Écoute, je sais pas si c'est sur 5 ou sur 10. Alors, il a une moyenne quand même de 2 étoiles. 3 étoiles. Ouais. La moyenne, c'est 2 étoiles. Et la tradition, c'est de lire un avis très positif et un avis très négatif. Bah tiens, voilà, ils sont là. Il y en a beaucoup des avis. Ouais, il y en a quand même pas mal, hein. Des avis positifs. Alors, on va faire les deux premiers, ça sera parfait. En France, nous appelons ce type de mélange tabac brun. Je ne sais pas s'il y a un mot équivalent en anglais, peu importe. Vous devez fumer ce séchoir à tabac. Ce séchoir à tabac qu'un tabac aromatique ou un mélange anglais. C'est la traduction, désolé. Afin qu'il puisse développer tout son goût. Pas trop sec, en tout cas, bien sûr. Je vous suggère de fumer avec quelque chose à boire si vous ne voulez pas vous faire bouffer à la bouche à cause de la sécheresse du tabac. C'est le problème que j'ai eu avec les deux précédents, là. Le Frérot et le Stanley. Là. Le truc, ça te dessèche la bouche. Mais bon, je ressens pas trop ce truc avec le Saint-Claude. Pourtant, j'y suis habitué. Le goût est plutôt fort, mais pas la teneur en nicotine. Alors, si vous voulez un tabac lourd, sans avoir le vertige, ce tabac est fait pour vous. Même si vous êtes un jeune fumeur, pour moi, ce type de mélange brown ou naturel est mon tabac de tous les jours. Et que je vois un goût plus sophistiqué, je me tourne vers des mélanges anglais. Si je peux le fumer tous les jours, c'est parce que je trouve bon. Je le recommande fortement. Ok, et maintenant on va avoir un avis très négatif. 6 personnes ont trouvé cet avis utile là, par contre. Voilà, celui-là. Une étoile. Mon souvenir de cauchemar de France. Si vous êtes fauché et que vous cherchez un mélange bon marché de Virginia avec des feuilles de cigare, alors non, ce n'est toujours pas une solution. N'achetez absolument pas Saint-Claude. Au lieu de cela, procurez-vous un paquet de 10 grammes de Black XX ou de cigares Leaf de Samuel Galit. Je connaissais peu de mendiants fumeurs de pipe qui n'essaieraient plus jamais Saint-Claude. Cela explique beaucoup de mauvaise qualité. Bon, il est un peu dur quand même, dans cet avis-là. Il est un peu dur. Je le conseille d'essayer le Stanley ou le Frérot et il reviendra vite sur son avis du Saint-Claude quand même. Alors je vais essayer de trouver un autre avis négatif pour voir un peu. Globalement, c'est des 2 étoiles, 3 étoiles quand même. Il n'y a pas d'autre. C'est le plus négatif que j'ai trouvé. Je vais lire celui-là. Ça sera bon. Si vous avez fumé des cigares vraiment bon marché, du genre qui viennent dans la petite boîte et se laissent constamment des petites miettes de baki sur votre langue, alors vous connaissez le goût du Saint-Claude. Pas trop mal, c'est mieux que l'on puisse dire. Mon paquet était très sec.
parenthèses, comme ont dit de nombreux autres commentateurs. Donc je ne pense pas qu'il était vieux. C'est juste comme ça que ça vient. Et lui, il dit qu'il a utilisé ça dans une pipe Black Mar, ajournement du fumeur nouveau, acheté à rue Paulbert, en France. Ok. Bon, ben, je vais arrêter l'enregistrement. Ok. Je peux fermer ça. Et on va revenir sur le tabac. Effectivement, c'est des petits filaments. Effectivement, ce paquet-là, il est plutôt sec. Il faudra que je le réhydrate. Parce que j'ai un autre pot hein, de Saint-Claude. Mais là, je voulais vous montrer la blague. La blague, comment elle est. Pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors, mon pot, il est là. Là, je vais découper l'étiquette dans le morceau de la blague. Et je le collerai sur le côté. Il est là. Là, il est bien hydraté, il a une bonne hydratation. Alors que là, c'est sec, c'est très très sec. Donc je vais procéder au bourrage. Là, je vais le bourrer à la façon Centaur LG. C'est-à-dire, je mets des petites pincées de tabac dans le fond. Cette méthode est vraiment classe. Et avec du tasse-braise, je l'enfonce gentiment dans le fond. Je vérifie que ça se passe bien. Je vais continuer de cette façon. Parce qu'il faut dire que j'avais un peu de mal avec le tasse, le bourrage. C'est souvent ça qui fait les défauts d'un fumage. Pour avoir un bon fumage, il faut un bon bourrage. Je crois que c'était Monsieur Pierre Voisin qui disait ça. Et moi, j'avais pensé à le faire au tasse-braise au tout début que j'étais fumeur. Il faut dire que moi, j'ai eu Internet très tardivement. Je l'ai eu à partir de 2006. Donc, bah, tu te démerdes comme tu peux. Hein. Sachant que j'ai commencé à fumer en 2000-2001 environ. Donc ben, j'avais personne autour qui fumait la pipe. Donc personne pour vous aiguiller sur les mauvais gestes ou pas. Je m'étais inscrit sur un forum, Tasse-Braise. Je posais des questions et à chaque fois les gens ils remarquaient qu'ils étaient assez virulents sur ce forum. Ils t'envoient chier pour n'importe quoi. Quand tu poses des questions de base, hein. Où je peux rester longtemps sur ce forum, il n'y a pas une bonne ambiance, je me suis barré. Et en découvrant bah, YouTube, les divers fumeurs de pipe, j'ai vu la chaîne de Centaur LG, et j'ai vu qu'il fume la pipe en. Enfin, il bourre sa pipe en utilisant le tasse-braise. C'est une question que je posais sur les forums. On m'a toujours dit non, faut pas le faire comme ça. Pour le faire pincer par pincer et tout ça, c'est bon. Après, je me suis dit, bah, tiens, je vais essayer. Et là, franchement, je suis pas déçu. Ça marche très bien. J'ai beaucoup moins, ça nécessite beaucoup moins de réallumage. J'ai beaucoup moins d'humidité pour le coup. Et la pipe se consume notamment très bien. D'autant que celle-là, j'y tiens. C'est 3 pipes que je vous ai montré, j'y tiens particulièrement. Donc j'y fais attention. Et on verra l'allumage en deux parties.
immédiatement. Immédiatement. On sent l'odeur du cigare. Ça, on peut passer à côté. C'est principalement le goût du tabac. C'est ça qui vous saute au nez. Et je vous conseille, comme il le disait, de boire, de fumer la pipe, le tabac, avec une boisson. C'est pour ça que moi je l'accompagne avec ma traditionnelle infusion de tilleul. D'ailleurs, je m'aperçois que j'ai pas pris la cuillère, c'est con, je reviens. Je vous dis que tout est improvisé sur mes autres chaînes, sur mon autre chaîne, pareil. Là aussi j'improvise. Le soir, c'est que de l'infusion. Sauf pendant les repas de famille, genre à Noël, Pâques, etc., Nouvel An. Il n'y a que là, ces soirs-là, où le repas va tarder, que je bois du café la nuit. Sinon, j'en bois pas. C'est pas que ça m'empêche de dormir, par contre, ça me donne envie de pisser. Moi, la nuit, maintenant, c'est infusion. Et rien d'autre. Cette pipe a un très petit foyer, à la fois restreint et court, donc elle devrait se fumer très rapidement, on l'a vu la dernière fois. Elle est très agréable. C'est comme on dit, des pipes de type brûle-gueule. Des pipes courtes, j'en ai quelques-unes, donc j'ai la Piezzola que je vous ai montré, j'ai une deuxième comme ça, j'ai la Chacom Rider et une Chacom Punch, et vraiment ma première pipe c'était celle que je vous ai montré la dernière fois, et celle-ci que j'ai remis entre temps, j'ai commencé à un peu travailler dessus, je l'ai resserré, nettoyé, et comme tuyau que pour l'instant, pas réparer, c'est pas possible, j'ai pas le matériel, j'ai pas des bodites. Par contre je vais pouvoir le refumer en achetant les petits embouts, peut-être j'essaierai de racheter un petit embout en silicone, j'essaierai de refumer cette pipe qui est la première pipe, je vous la répète peut-être souvent, c'est vraiment la première pipe que j'ai achetée en 96-97 quand je faisais mes petits films amateurs, mes petites fictions, bien entendu là je crapoter plus que je fumais, et c'est vraiment avec cette pipe, je l'avais acheté 2 ou 3 francs au plus, elle était déjà cassée là, manquait, elle était pas cassée entièrement la lentille, il y avait déjà un trou, c'était la première pipe que j'avais trouvée, et je l'ai conservée, je l'ai refumée dernièrement quand je l'ai retrouvée, mais ça me fonctionne, elle fonctionne toujours, pas très très esthétique puisqu'elle elle a de l'âge quand même, mais c'est pas très agréable, la bouche, la lentille cassée. Et je me suis un peu renseigné, les prix de réparation, ça vaut vraiment pas le coup. C'est pas une pipe de maître pipier, hein. C'est une classique Saint-Claude. Ça vaut vraiment pas le coup.
casse un peu le palais. Donc le seul espoir pour que je puisse refumer ma première pipe, ce serait que j'essaye de racheter les embouts en silicone, voir si ça s'adapte dessus, et si ça s'adapte, peut-être que je pourrais la refumer. De temps en temps. Ou alors il faut vraiment que j'investisse dedans, mais je ne sais pas combien de temps ça va prendre et combien ça me coûterait. Minimé, je pense qu'avec les frais de livraison, au moins 30 balles. Facile. Parce que le tuyau, il est pas rond, il est un peu ovale. Je la fais tournoyer. Il est un peu ovale et du coup, ça demande un peu plus de travail. C'est pas comme les pipes comme ça. Quoique celui-là aussi, il est un peu ovale, de rien. Donc, est-ce que ça vaut le coup de la faire refaire un tuyau ou alors est-ce que je pense que je vais racheter un petit capuchon. Bon, j'aimerais bien essayer de refumer. Et encore l'odeur du tabac que j'ai fumé il y a 20 ans, quoi. Mais je fumais que du clan là-dedans. Premier tabac à pile qui passait quand je faisais des fictions. Saint-Claude là, il est très sec, très très sec. Il se consomme extrêmement vite. Et pourtant la pipe n'est pas chaude, elle est à peine tiède. Elle est vraiment très tiède. Grâce à la technique de centralger, la technique du bourrage Cotas-Braise. Elle est vraiment très très agréable cette pipe, elle est très légère. Elle prend vraiment bien la courbe du menton. Très discrète, très élégante. Elle porte vraiment bien son nom de gentleman. Si par exemple je prends une autre pipe moderne, une petite brûle-gueule, Chacon Punch. J'ai acheté il n'y a pas si longtemps. Elle a une bonne tenue en bouche aussi, celle-là. Mais elle est un peu plus massive. Un peu plus massive. Mais j'aime bien. J'aime bien. Elle est en cours de culottage. Je pense que je vais la culotter avec du frérot, parce que moi il me servira à quelque chose ce tabac. Pour ceux qui se demandent pourquoi je mets un petit bout de chenille à être replié, c'est juste pour les accrocher sur le râtelier. Ça prend moins de place que sur les supports. Et là, je suis déjà en fin de bol. Tellement le tabac est sec, mais c'est pas désagréable. La pipe est pas chaude du tout.
Mais je peux facilement te parler avec cette petite pipe dans ma bouche, vu qu'elle est très légère. Et le tabac, lui, il est très très bon, franchement. C'est un tabac que je fume régulièrement, le Saint-Claude. Je fume le Saint-Claude principalement, le Clan et l'Amsterdam. Les aromatisés, j'aime bien, mais c'est particulier. J'aime bien les tabacs naturels. Là, c'est un peu naturel parce que c'est du cigare. Bon, là, elle est en fin de vie, la pipe. Voilà, la fin du bol. Par contre, on a un goût constant avec ce tabac. C'est pas comme les aromatisés où on a un goût très fort au début à l'allumage. Après, en plein milieu de bol, généralement, ça descend un petit peu le goût. Et c'est vers la fin, quand tout l'arôme redescend, quand on arrive à la fin de la pipe, que l'arôme reprend tout son sens. Ici, c'est constant. On sent le cigare du début à la fin. Et c'est pas pour me déplaire. Parce que j'ai fait une petite dame metal ce soir. Moi qui suis un ami amateur de cigares. Alors je fume pas des cigares à 500 balles. Moi, ce que j'aime bien, c'est les Roméo et Juliette. C'est un bon compromis entre bon goût et prix. Ça varie entre 3 et 5 euros le cigare environ. Pas trop gros, pas trop long. J'aime bien. Il est bien parce qu'il pique pas la langue celui-là. Non, pas trop, pas tant que ça. Il y a des aromatiques dessus que tu les fumes et t'as la langue, elle est en feu quoi. Là, je suis en fin de bol, putain, mais ça va pas durer longtemps. Non. Une dernière fois, mais je vais y aller à la lune gaz. Là, je pense que c'est vraiment la fin. Il s'est consumé à une vitesse. Et pourtant, la pipe, elle est pas chaude. Je parle, j'alimente le foyer en parlant. Je aspire dessus, je tire dessus. Ça vient bien. Je parle avec, alors que bah, normalement, ça fait de la salive et de l'humidité. Bon, elle s'est éteinte une ou deux fois. Pas grave. C'est pas grave si ça s'éteint. Je parle à bord. Mais la pipe est à peine tiède. Je pense que j'aime bien le 5 là, j'aime beaucoup. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous connaissez le 5 là. Bon, je pense que vous connaissez, il n'y a pas de problème. En tout cas, je serais content de savoir si vous aimez bien. Par contre, c'est un tabac qui est difficilement mélangeable.
de sa teneur en feuilles de cigare. Faut très difficilement le mélanger pour avoir quelque chose de plus. De faire un aromatique, enfin un tabac maison quoi. Par exemple, le Frérot ou le Frérot, le Stanley qui sont un tabac insipide qui n'ont pas de goût, c'est un peu facilement à faire un mélange. Par exemple, je pourrais très bien prendre du Frérot ou du Stanley et le mélanger avec un peu de Saint-Claude pour faire un goût un petit peu moins élevé si je veux. Ou mélanger des aromatiques un peu trop puissants. Et le Saint-Claude, en lui-même, on ne peut pas le mélanger. J'arrive vraiment enfin. Tout est consumé. Tout est consumé. Le fumage s'est bien passé. Très rapide. Je suis vraiment étonné. C'est rare que ça aille très très vite comme ça. Je fais la technique du bébé qui m'avait dit pour culotter la pipe, il faut que tu remues la cendre et tu secoues comme ça un petit peu. La cendre elle colle aux parois. Et du coup, ça culotte ta pipe plus vite. Ouais. C'est une technique, je vous la montre parce que je la fais pas souvent, je la fais là pour vous montrer. Effectivement, quand on fait ça, le tabac il colle bien aux parois. Après, il faut enlever juste l'excédent. Jolie petite couche de carbone. Et on voit, hein, ça fait 20 ans que je les fume. Ça fait 20 ans que je les fume. J'ai un râtelier tellement gros. Je sais pas combien il y en a là-dessus. J'arrive pas trop à compter. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 26, 27, 28, 29. Voilà, il y a 29 pipes. Donc fatalement, elles ne fument pas beaucoup. Donc les culottages, ils sont très lents. D'autant plus que celles-là, je les fume, comme je vous ai dit. Les trois premières pipes, je les fume une seule fois dans l'année. Donc bah, avant qu'il y ait un culot de 1 mm, je serais probablement mort avant. Du petit chichou. Là du coup je vais la remettre tranquillement à sécher. On ne démonte jamais une pipe chaude. Là du coup je remets le petit morceau de chenillette et comme ça je l'accroche au crochet. Elles sont pendu tête page. Prends moins de place. Je vais vous montrer un petit peu vite fait le râtelier. Alors en haut on a une chicha. De temps en temps je fume, c'est pas trop dégueulasse. On a une calabache dégueulasse. Je vous en ferai une vidéo sur les calabaches spécialement. Et là, on a les pipes, ma collection. Et dans les pipes neuves, lesquelles c'est que j'ai acheté neuves? Donc il y a celle-ci, 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 du coup, celle-ci, 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 celle-ci. Il y a celle-ci,
celle-là, celle-là et celle-là. Voilà, ça c'est toutes les pipes neuves. Et je fume exclusivement du tabac naturel. Le Saint-Claude, le Clan, l'Amsterdammer. Et puis les pipes estate. Je fume généralement les aromatiques que l'on voit là-haut. Ou là aussi, là, l'Amphora, Radford, Blackwood. Là, il y a le Sunday Fantasy, le Chacon 5. Ça, c'est le Amsterdammer. On peut voir là, la pêche. Pionnière, à deux foyers. Un peu trop de nouveau. Sinon, il y a d'autres tabacs à vous faire découvrir. Alors, il y a du Burton. Bon, ça, c'est encore du clan. Ça, c'est du Sans Souci. Ça, c'est du Rhum Fronfronfron Gold. Et du Rhum Fronfronfron Ruby. Point. Bref, là voilà. Pour l'instant, j'ai trouvé ça. Je vais refaire un tour à la Cipette à 15 bornes. Et je vous ferai découvrir des nouveaux tabacs. Mais là, j'ai encore pas mal de trucs à tester devant vous. Alors, probablement que certains les connaissent, mais d'autres les connaissent pas. Je vous dirai donc mon avis sur l'Amphora, le Radford. Blackwood, le Chacon 2, le Burton, le Sans Souci, les Rhum Fronfronfron, Ruby et Gold. Voilà, c'est pour les programmes. C'est pour le programme. Bref, du coup, ainsi se termine cette vidéo de dégustation du tabac Saint-Claude dans la petite pipe. Gentleman Rock. Dites-moi ce que vous avez pensé du tabac Saint-Claude. Si la petite pipe Gentleman de Bud Shocker vous plaît, si peut-être que vous en avez une, dites-le moi dans le commentaire si ça vous plaît, si vous la connaissez. Elle n'est pas courante. Je n'ai vu que bah, c'est la seule que j'ai eue, je l'ai prise. Je n'ai pas revu d'autres. Des rocks. Gentleman Rock. À voir. Elle est sympa pourtant. Mais très fragile. Très très fragile. Faites très attention si vous en avez une. Mais bref, dites-moi tout ce que vous pensez en espace commentaire ci-dessous. Je serai content de vous lire. Et je pense que la tradition, ça sera de lire un commentaire ou de répondre à une question en chaque début de vidéo. Je pense que je ferai ça à l'avenir, c'est sympa, ça fait la convivialité. Et puis de temps en temps, je pense que je ferai des lives, dégustations. Ça peut être sympa. Bref, sur ce, moi je vous laisse à vos messages, à vos commentaires. Je serai content de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une vidéo de présentation de tabac, de dégustation. De présentation de matériel, de tutoriel, de création d'objets liés à la pipe, à la décoration, des restaurations de pipe, des fabrications aussi. J'ai prévu d'en fabriquer. Et on va voir ça. Ça va tranquillement, tranquillement. Bref, sur ce, moi je vous laisse, je vous dis ciao, à plus.